C'est bien ici, chez la baronne de la Valette ? Éloignez-vous. La baronne ne reçoit pas n'importe qui. Je ne viens pas pour elle. Je viens voir Molly, sa femme de chambre. Faites place, voilà la baronne. Allez, dégagez ! Gérald de Rive. J'imagine que cela n'a rien d'une visite de courtoisie. Baronne, général, vous avez raison, je ne suis pas ici par hasard. C'est bien vous, pas de doute. Mais par respect de l'étiquette, Maria Louisa de la Valette. Un général de l'Empire et un sorceleur qui se connaissent. Intéressant. Nous nous sommes déjà croisés. Et comment ? Imaginez donc, Louisa, l'empereur lui-même désirait s'entretenir avec notre sorceleur. Et j'ai eu la chance de le rencontrer à cette occasion. Ainsi donc, Gérald de Rive travaille pour l'empereur Émir. Est-ce lui qui vous envoie pour débarrasser Novigrad de ces monstres ? Je cherche une fille, une certaine Molly. Elle travaille ici, je crois. C'est ma femme de chambre, en effet. Malheureusement, elle est en ce moment chez ma bonne amie Patricia Vegelbud. Gérald pourrait peut-être nous accompagner ? Ce serait l'occasion pour lui de voir Molly. Qu'en pensez-vous, sorceleur ? Une petite diversion mondaine, ça vous tente ? Je préfère rencontrer les Vegelbud par moi-même. Comme vous voudrez. Si ça vous intéresse, vous pouvez me retrouver au champ de course. Vous êtes le bienvenu. Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? Répondez, sinon j'appelle les gardes. Toutes mes excuses, madame. Je suis Gérald, un ami du bar de Jasquier. Ah, Gérald de Rive, le célèbre sorceleur des balades. Halt ! Comment êtes-vous entré ? Je n'ai laissé passer personne. Je le jure sur le grand sol. Pas un mot, je m'occupe de lui. Silence ! Cet homme est Frédéric Francis de Bergerac, mon nouveau maître d'armes. Conduisez-le à la salle d'armes, je le rejoins immédiatement. Mais madame, c'est un sorceleur. Il me l'a dit lui-même. Capitaine, pensez-vous que Rosava Arthre s'abaisserait à faire appel au premier maître d'armes venu ? Lévar Arthre mérite le meilleur. C'est pourquoi nous avons engagé un sorceleur. Conduisez-le à la salle d'armes, tout de suite. À vos ordres, madame.